Ouais, je vais aller au Petit Marron. Je me mets en caisse, mais par contre, je ne porte pas. On est d'accord? Hein, non, aucun problème. Aucun problème. Chacun fait à sa, voilà, avec ses possibilités. Hein. On fait notre petit colibri. Hanen, maraîchère. Bonjour, Mme Télème. J'ai déjà commencé à rentrer une partie des courges, mais un coup de main, c'est pas mal parce qu'il y a des très grosses courges. Je ne sais pas si vous pouvez voir par là. Donc, c'est plus sympa de les porter à plusieurs. Voilà. Déjà, on coupe les tiges généralement une semaine avant, quelques jours avant, histoire qu'elles puissent sécher. Et puis là, on va les emmener pour un stockage optimal. Donc généralement, il faut les poser sur des étagères en milieu plutôt tempéré, à l'abri du gel, à environ 15 degrés, si possible sans humidité. Donc là, on va les transporter jusqu'à Sucy-en-Brie pour essayer de les garder le plus longtemps possible et que les amapiens puissent en profiter. Qu'est-ce que tu fais, Michel? J'essaie d'économiser mon dos. Alors, je prends le travail qui a déjà été coupé et je les mets en cagette. Mais il faut surtout que je veille à ce que ça ne déborde pas, que ce soit empilable. D'accord. Marianne, comment ça se passe? Ben, ça se passe. Montre-moi comment tu les coupes. Non, moi, je ne coupe pas. Ah. Et il faut pas que ça dépasse. Alors, il faut déjà pas que les courges s'entrechoquent. Donc, il faut pas qu'il y ait un choc et qu'il y ait un crack. Faut pas les arriver, faut pas qu'ils pourrissent derrière. Et il faut pas que ça aille au-delà de la hauteur de la caisse. Qu'est-ce que tu ranges là, Stéphane? Alors là, on a de la courge butternut de taille différente et on a des petits potimarrons là, orange. D'accord. Voilà. Non, c'est pas de la batavia, non. Non, c'est pas de l'artichaut. Dernière courge, on va la placer dans la chambre là. Il reste une petite place ici. Voilà. Bien rangée pour l'hiver. Et en espérant qu'elle se conserve bien, que vous en ayez le plus longtemps possible. Et puis surtout, je vous souhaite une bonne dégustation.